Porte d'Italie. Nous voulons arriver. Ah, Célestin Jolipan, mon vieux, mes compliments. Vous êtes un as. Vous l'avez bien dit, du tourisme, en perpénard, les doigts dans le nez. Tu parles d'un rallye, Golfe du Bengale, porte d'Italie. Inde, Pakistan, Iran. Irak, Turquie. Yougoslavie, Italie, Écosse. On est trop passé par l'Écosse. Oui, non, enfin, je confonds avec le Morvan. Mais... Ouais. Et tout ça sans la plus petite anicroche. C'est du tonnerre. Ah, allons bon. On vient de se taper 12 000 km sans que personne nous... qu'est-ce qu'il y a, monsieur l'agent? Alors, on est daltonien. Ah, dites, allez-y, mou, hein. Je suis français, moi. J'ai fait mon service militaire dans les Oises. Ça va. Et les feux rouges, non? Ah, quoi, les feux rouges? Vous avez démarré au feu rouge. Moi, j'ai démarré au feu rouge. Ah ben, il est vert. Hein. Maintenant. Mais il y a 5 secondes, il était au rouge. Allez, roulez. Ah, je vous jure. Ah, alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, on passe les feux rouges maintenant. Mais vous venez de me dire... De passer au vert, oui, mais c'est de nouveau rouge. Vous connaissez pas le code, non? Eh, si, monsieur l'agent, mais... Allez, rangez-vous à droite. Eh, mais moi, je veux rentrer rangez-vous chez moi. Rangez-vous à droite, arrêtez votre moteur. Vos papiers. Voilà. Donnez. Célestin Jolipon, c'est à vous le taxi? Eh, je veux, oui. Votre plaque d'identité. Ah. Ah, voilà. Sur le tableau de bord. Mais ça correspond pas. Comment ça correspond pas? Et non! Sur votre carte grise, il y a Célestin Jolipon et sur la plaque, il y a Jolipon Célestin. Mais c'est pareil, monsieur l'agent! Ah oui, mais non, il y a inversion, c'est pas réglementaire. Donnez, votre permis de conduire. Je commence à comprendre les tueurs. Voilà. Parfait. Mais là, il y a écrit Célestin Jolipon. Mais c'est une erreur, monsieur l'agent! Mais oui, ben voyons. D'où venez-vous? De Port-Jaboun. Port-Jaboun? Où s'appelle ça? Sur le golfe de Bengale. Vous vous foutez de moi, dites! Mais monsieur l'agent, c'est exact? Non, tout ce qu'il y a d'officiel. Alors. Vraiment, hein? Et combien il y a au compteur? 480 francs. 480 francs pour venir du golfe du Bengale, non mais... Mais non, il faut que je vous explique. Chaque fois qu'il marque 500, ça retombe à zéro. Alors, faut calculer autant de fois 500 qu'il y a de... Oui, non, mais vous expliquerez tout ça au commissaire. Allez, je monte avec vous. Allez, en route! Alors... Comme ça, il paraît que vous venez de Port-Jaboun, sur le golfe du Bengale. Mais oui, monsieur le commissaire. En taxi. Oui, en taxi. Et qu'est-ce que vous faisiez à Port-Jaboun? Moi, j'étais inspecteur des douanes chargé de l'immigration. En vérité. Et vous deux? Ben, nous, on était de passage. Ouais, de passage dans l'attente et dans l'ennui. Pourquoi? Ben, c'était dans l'horoscope. Oui. Et vous, l'inspecteur des douanes? Vous êtes aussi chauffeur de taxi. La preuve, c'est que j'ai ramené mes clients jusqu'ici. Ça tient, non? Si, ça se tient. Commandant, allons chez vous. Trafiquant, contre-espionnage, stupéfiant, agent politique. Hein? Vous voulez pas répondre? Moi, je veux rentrer chez moi, rue des Canettes. Même que... On va vous accompagner. Votre histoire est parfaitement claire. Tellement claire qu'elle ne dépend plus de moi. Flouguinax! Marilyn! Monsieur le commissaire! Passez-leur les menottes et embarquez-les à la DDT. Vous êtes à la DDT, attendez ici. On veut voir le directeur, monsieur Fouvreau. Où est-il? À côté, mais il s'occupe pas des petites affaires comme la vôtre. On peut lui téléphoner? Impossible. Ben alors, passez-moi l'appareil. Voilà. Allô, standard? Monsieur Fouvreau, pour Black et White. Allô? Black? White? Bonjour, Fouvreau. Bon sang, mais je vous entends bien, dites-donc. Vous êtes aux Indes? Racontez. Mais mon cher ami, on n'est pas aux Indes. Où alors? Au Pakistan? Non, mon bon. Bah alors, où êtes-vous? Dans le bureau à côté du vôtre, mon cher Fouvreau. Ah, ça, c'est insensé. Insensé. Alors là, je dois dire que vous m'avez eu. Venant de votre part, mon cher Fouvreau. À présent, vous allez vous reposer. Vous l'avez bien mérité. Et pendant 15 jours, je veux que vous oubliez cette affaire, promis. Oh, oh là, juré. Mettez-vous debout tous les deux, près de la cheminée. Pourquoi faire? Vous allez voir. Allez-y. Oui. Voilà, parfait. Mademoiselle Fiot. Patron. Est-ce que vous croyez aux fantômes? Pourquoi ça, patron? Regardez la cheminée. Là. Oh, mon Dieu, des revenants! Vous avez vu Marie Sauvée? Évanoui. Alors, Jolipon, vous allez enfin pouvoir rentrer rue des Canettes. Ah, c'est pas trop tôt.
Mais je vous raccompagne d'abord jusque chez vous. Mais non. Mais si. Quelle adresse déjà? 59 avenue Pierre Arnaud de Chassipoulet. Ça marche. Ah, vous me l'a rendu. Merci, ah. Célestin. Sans vous, hein, je crois bien que... Ah, c'est rien. Allez, au revoir et un de ces jours. Hein. Et si des fois vous aviez besoin de quelqu'un pour aller du côté du Groenland ou de San Francisco, à votre service, hein? Increvable, mon prototype! Merci, et à bientôt! Salut! Ah! Eh ben, mon vieux Black, ça fait quand même du bien de se retrouver chez soi, hein? Oui, t'as raison. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on va pas y moisir. Ah, bien sûr, il y a du pain sur la planche. Enfin, écoute, tâchons de profiter de ces quelques jours de répit avant de reprendre le collier. Hein. Tiens. Voilà. Allez. Alors bon, on est à peine rentré que... Désiré. Alors, monsieur Black et White. Oui, et alors? Excusez-moi de ne pas vous avoir dérangé plus tôt. Je me présente. Max Blaffard, de Paris Canaille. Oui, hein? Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite? Oh, bah, rien de particulier, mais... N'est-ce pas, je suis journaliste, alors... L'information, c'est mon métier. Je me suis dit que des personnages aussi intéressants, ça valait le dérangement. Oui, trompez-moi, monsieur Max Blaffard, mais je ne vois vraiment pas ce qui peut... Voilà. Ah non, simple prise de contact, mettant curiosité. Mmh. Ouais, bien peur de vous décevoir, monsieur Blaffard, Max. Mais votre profession exige parfois certains déplacements. Oui, oh, forcément, mais pas obligatoirement. Vous n'avez pas voyagé récemment? Ah ben, dès qu'on se déplace, on voyage. Oui, bien sûr. Vous devez en avoir vu des choses, des gens, des événements. Oui, oh, comme tout le monde. Ah, oui, mais vous, avec votre œil de détective, est-il indiscret de vous demander le dernier endroit où vous êtes allé? Du tout, au lavabo. Ah, très intéressant. Oh, mais vous avez un bien joli presse-papier, là. N'est-ce pas? Ah oui, on dirait le lion de Belfort. Mais c'est le lion de Belfort. Ah. C'est, enfin, une reproduction. Et naturellement. Et... Un cadeau, sans doute? Oui, un dompteur in partibus, un jour, il nous en avait fait don. Oui. Reconnaissance d'une... Allez, bon, n'arrête pas la sonnette, depuis qu'on est rentré. Ah, ça n'arrêtait peut-être pas non plus avant, Marc, mais on n'était pas là pour l'entendre. Ouais, tu y vas? Oui, j'y vais. Vous permettez, monsieur Max Blaffard? Mais vous êtes chez vous? Monsieur? Je suis bien chez Monsieur Black et White. Oui, vous y êtes bien. On y est pas mal non plus, d'ailleurs. Vous êtes White. Et je peux rentrer, c'est très grave. Oui, je vous en prie. Pardon. Par ici. Merci. Vous ne me connaissez pas encore, je suis docteur Sokolodovenko. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.